Bonjour, bonsoir, bonjour. Il est bon comme si tu parlais à là. Et Zanmi Mio et Valérie Okouni à côté de lui, il dépassait minuit, je suis supposé, monsieur doit dormir. Ni Valérie ni gentil, Augustin. En tout cas, monsieur, dans Brisbane, en Australie, donc côté sélection nationale haïtienne à Bué, donc monsieur, il a rencontré sélection, il parle avec eux, donc Marie pour des nouvelles sabane un peu plus tard. Dans l'émission et radio sur télévision après-midi. Et c'est moi qui ai présenté l'émission aujourd'hui avec Jacqueline. Et bon, je mérite un petit repos. Donc, nous avons une mission repos aujourd'hui pour monsieur mettre travail à la Cali. Et puis demain, la vienne pointe là, vienne travailler, vienne boire ici, aller ça moi-même pour me casser dans l'arrière. En tout cas, actualité sur le plan international, ça va passer sur le plan international. Bon, la Russie bombardé plusieurs ports, y compris Odessa, plusieurs ports ukrainiens. Elle même menacé, même pour les même menacé bateaux, cap utilisé la mer Noire pour transporter céréales dans l'autre pays. Et cependant, monsieur, je suis tellement fâché, je dis que, il a même fait cadeau, même fait communauté et monde qui pays qui n'a besoin de cadeau, parce que, il y a un bail que les Nations Unies ont dit, décision là, si pour ne pas renouveler et transport céréales à travers la mer Noire, eh bien, il a endommagé, ou bien encore, il a affecté, c'est le pays qui n'a besoin, et ça parle créer, c'est de famine. Bon, dans la déclaration responsable, il fait qu'on est capable même. Il est capable même de faire cadeau manger à même. Il doit faire cadeau céréales à même, parce qu'il n'est pas responsable. Pendant ce temps, l'Ukraine dit l'attaque qui fait tout, l'Ukraine dit qu'il n'est pas. L'attaque est tellement pile, il n'est pas intercepté une série de drones. Il prend quelques, mais pas tout. Il est tombé dans les cibles côté de visé. Donc, l'Ukraine dit, mais quand même, il y a là. Il continue à batailler quand même avec support et communauté internationale. La Coupe du monde football féminin, Coupe du monde a démarré et avec un incident, c'est Oneg qui semblait son travail. Et bien, monsieur l'ouvre coup de zame, monsieur blessé en pile monde, y compris un policier, il a tué deux monde. Mais la police, force de l'ordre, est intervenue. Ça s'est passé dans Auckland, Central Park. C'est passé, c'est tout près hôtel côté équipé la Norvège là et hébergé, ben monsieur et là tout et moi alors les forces de l'ordre intervenues, monsieur mourit tout. Donc il y a trois monde qui mourit et puis j'ai l'autre blessé dans incident ça et qui passe FIFA te mandé et Nouvelle-Zélande est-ce qu'elle était quoi que des capables continuer garantie sécurité pour Coupe du monde là responsable Nouvelle-Zélande je dis oui donc il dit oui et a continué donc ça qui est bien démarré parce qu'au moins Nouvelle-Zélande surprend l'équipe la Norvège qui sont favoris pour Coupe du Monde là, mais Nouvelle-Zélande calé 1-0. Un bout de goal, ça suffit. Et parallèlement avec un rencontre ça, en Australie lui-même, dans Sydney, il y a une autre rencontre. C'est l'autre co-organisateur de la compétition hein, avec Nouvelle-Zélande, n'a pas eu d'Australie. Et bien, lui-même, tout les gérer là, les titiller jusqu'à ce que de remporter lui-même tout une victoire face à l'équipe Irlande. Là, qui était fait vraiment par son calamité avant mesdames Australie ont marqué bout de goal. Et c'est comme ça, deux pays organisateurs. Et Nouvelle-Zélande, c'est la première fois que l'a organisé en Coupe du Monde. Première fois, il marque, il remporte une victoire dans la Coupe du Monde. On n'a pas dit qu'il y a un pays qui a participé pour la première fois dans la Coupe du Monde. Il y a par exemple l'équipe haïtienne, la sélection Haïti. Nous rappelons que qui arrive à côté de Praléa, qui est déjà à destination. Il y a tout l'équipe Panama et puis il y a Maroc. Tout. Donc il y a plusieurs pays, c'est la première fois. Il y a 4 ou 5 pays, c'est la première fois à participer dans la Coupe du Monde football FIFA, Coupe du Monde football féminin FIFA. Donc, en parlant de sélection football féminin, c'était une communauté haïtienne qui est venue accueillir. C'était un bel bagage, un bel geste vraiment. Ils sont venus accueillir sélection. Ils ont fait photo. Donc, nous avons fait photo sur page fédération, page Facebook Fédération Football Haïti, qui mettait photo côté communauté haïtienne qui est venue. Donc, nous avons deux envoyés spéciaux, nous, qui sont sur place. C'est Valérie Saint-Louis avec Gentil Augustin. Monsieur est arrivé après plusieurs heures de temps de vol, parce qu'on journée à voler.
Monsieur tourne les oiseaux qu'on a. Eh bien, monsieur arrivé finalement, il était en voie à la sélection, hein. Il a fait, il a même interviewé quelques joueurs dans la sélection, hein. Il a interviewé quelques dans le public d'Ato qui devine accueillir la sélection, hein. Belle bagaille, donc, on a porté ça pour après-midi dans le journal radio sous télévision. Et donc, Haïti a parlé là pour jouer pour un match là, c'est pas samedi matin. Mais un matin, je m'en vais, je regarde un petit match. D'après des matchs Australie, Irlande, là, parce que l'autre match a dormi pour moi. M'a vu, match a, l'aime sauter dans dormi, l'aime mal checker. Moi, je ne sais match Australie, y'a bail. On commence à regarder lui, il est arrivé dans 15e minute, on prend pas d'électricité. Télévision a campé. M'a demandé des gens qui ça va porter pour vendre, seulement moi le campé. Et, bon. Et, il t'a semblé que son surcharge que m'a la calade, donc j'ai son, son cycle qui sautait, donc c'est un problème qui peut, pour moi, c'est un peu plus tard, aller pour mal ranger et fusible ça qui sautait, et certainement réactivé encore. Donc, je suis sûr que ça arrive samedi. Et samedi, je garder match à Haïti, parce que match à Haïti à bonheur. Si ce n'est pas 5 heures, c'est 6 heures. Donc, il y a un autre match encore qui joue encore, et c'est Nigeria, et qui joue toujours à tout. Donc, puis t'as ma bande, on m'a fonti parler avec nous sur le résultat match. Mais en principe, gentil Augustin avec Valéo, c'était monsieur Voyage en pile. Monsieur Voyage, monsieur Bouquet. En fait, de même, quand qui est un peu heureux, les gens ont senti, probablement, ils ont fuseau horaire. Ils ont quand c'est temps voyage là, et puis, et fait que ça gagne. Bonsoir, madame. Et vous content? Vous content? Et news reporter, oui. From DC? From DC, yeah. Yo, regardez on Facebook. Yeah. Oh, madame qui a fait tibot à la cap madame sans faire là. Mais. So, you very busy. I can't talk to you. Can I talk with you? Yeah, we can talk to me. Okay. I have a, I want to report something. Do you guys help people like Seven on your side? Non. Yeah, well, how can I get some help for, from the news? From the news, so you have to go to Seven on your side. That's in Maryland. Right? No, they are in D.C. They are somewhere in D.C. Oh, okay. There's somewhere in D.C. in Wisconsin Avenue. Wisconsin Avenue. Wisconsin Avenue. Okay. In Georgetown. Okay. Yeah. Thank you. Easy. Okay. Donc, mon gars m'a dit mon serment, si m'a capable d'aider, comme si t'as pas vu une bonne rapport là pour m'aider les autres, nous pouvons bien, bon, nous pas capable de faire ça. Voilà. Oui, chill. Bon, moi, m'envoie le côté pour l'aller, m'envoie le côté pour l'aller. Et journaliste local qui est capable d'entendre lui et certainement ballon interview bah comme ça. Donc j'en mets disons donc équipe qui sur place là en tout cas m'a dit nous m'a regardé monsieur fatigué son long voyage mais au moins c'est comme ça aller là son soldat c'est comme ça nous dehors nous pense avec nous même qui pas de privilège pour saute pour dehors pour aller côté ça et de fait que nous gagnons avec esprit nous donc nous pas garder fatigue que nous prend nous seulement connaît que nous la pour nous servir et nous n'observe donc rester branché visiter tout et oh monsieur font ils font un stand up oui et pendant que dans Uber son service transport et privé public mais lui même c'est une sorte de taxi lié mais son compagnie qui fait lui mais ça le fait lui même il va une machine c'est machine PAM ou bien mon machine monter dans compagnie et puis moi vendre service avec compagnie envoie me chercher client et la fini en retour yo paye chaque fois me transporte au monde yo ba on parti dans cob que mon en paye et compagnie garde reste là donc intelligent hein? Parce que mon compagnie ça yo fait comme sous tête PAM sous moi même parce que moi gagne machine moi cacher toute bagaille nèg là il bail service à seulement lui même et puis puis faut comme là meni alors que machine moi même faut me changer où faut me changer l'huile faut me mettre gaz tout bas ça yo donc li ban on parti dans comme que client paye mais c'est ça qui gagne li une sorte de sécurité là-dedans parce que pour servir dans et yo le nan compagnie ça pour servir avec yo il faut qu'on fait ses membres donc yo contient quelques minutes sur pour yo même chauffeur à tout donc l'on monte dans machine compagnie compte qui moun ki nan machine nan et à qui moun ouye nan machine donc de sorte que chauffeur compagnie compte qui chauffeur cap conduit un tel qui va mener dans telle adresse
et combien qu'on est tout qui monde qui mette machine les chauffeurs maintenant tout dans l'offre nous payer pas gain payer cash sur ça fait son en cas de crédit et chauffeur pas encore là en cas de crédit comparatif chez comme là directement et puis même chaque semaine yo bon corbo et mettez corbo sur compte en banque pas gain bah mais très strict en termes de service parce que son service soit vendre ce qui n'est en plein rien son problème donc capable de prendre des mesures disciplinaires qu'on a même retiré même et sur plateforme là donc pas qu'à faire comme encore alors que au ta fond idée au pas ta fond idée qui monde qui monde qui dans compagnie qui dans bail ça en fait et, tout son petit comme escalier mais il y a monde qui fait tout comme travail ou travail à tête ou ou dormir ou lever l'ovle au camper au comment au travail le lit d'audio au camper les lits d'audio donc pour nous mêmes les nouveaux âgés même si ben comme nous même on capable toujours utiliser service ça pour taxi mener mon côté seulement il pas bon marché et puis au pas négocier pour négocier pour dire généralement de $30 et puis après dire non c'est $20 me capable pas rien ça depuis que tu finis entrer adresse que tu pour aller à l'idio que tu y a que tu pour aller à mais comme comme du côté apprendre à laisser et c'est bah ça bon monsieur font un petit un stand up pendant la machine là pendant la machine t'as pas dans l'hôtel yo donc je crois que Sandra sûrement mettait déjà sur et sur plateforme yo donc nous carré ça sont font garder comment monsieur a boulé là mais n'a porté pendant tout temps que sélection nationale là dans compétition et eh bien il t'a semblé que chef score là toujours présent tout autant que sélection dans compétition donc non souhaiter que al plus loin possible mais au moins il y a trois matchs garantis match contre Angleterre samedi ensuite il y a l'autre match contre la Chine et il y a un dernier match il y a plus contre Irlande ça non contre Danemark ça c'est phase de groupe yo si vous passez phase de groupe là donc on y a nous pas en faire des choucailles sauf fait c'est loué ou perdu ou aller ou gagner ou était et on aller. Et puis, ça ne répond pas encore, nous parlons de la donc, Nouvelle-Zélande, remportant une victoire surprise devant la Norvège, qui est le calé à zéro, surprise quand même. Et, Nouvelle- et nous connaissons l'Australie avec l'Irlande, bon, le résultat est calé quand même dans ce sens-là. Mais nous, et, l'Irlande n'a pas de faire cadeau, l'Irlande joue match à tac au tac, et elle perdu quand même, elle perdu à zéro. Et nous avons un incident qui fait tout près au hôtel là, dans Auckland, dans ce Central Park là, que l'autorité était obligée de mettre en lockdown avec que tout le monde était là, qui n'avait pas sauté dehors. Eh bien, il y a trois personnes qui mourent parmi eux, Nega Mea, et bien, monsieur blessé plusieurs personnes. Nous n'avons pas de chiffre exact sur 46 personnes qui sont blessées, mais nous, au moins, nous connaissons plusieurs personnes qui sont blessées, et puis, il y a trois personnes qui mourent parmi eux, Nega qui sont blessées. Mais il semblait que ce sont des personnes qui ont travaillé dans la zone, qui ont travaillé dans la zone, mais ainsi, il a passé tout près de ce stade-là. Elle passe tout, tout près hôtel que équipe la Norvège là hier. C'est là l'incident passé. Mais la police est un point de pression. Il a expliqué. Il a dit pas qu'on a intention puisque Monsieur Mouri il pas parler. Mais il dit que c'est un bail qui s'est isolé. Mais il pas menacé compétition. Il faut faire qu'elle ait demandé Nouvelle-Zélande est-ce qu'on sentit qu'on en sécurité pour organiser ou pour garantir sécurité et fanatique. Et responsable dit oui, il y aura. Au revoir, nous finissons de faire dépenser là pour arriver là. Et puis il dit bon, la compétition ne peut pas dérouler en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc c'est ça, on a l'autre problème qui pas prévoit. Mais responsable dit qu'il y a une situation. Donc voilà, c'est la situation. Et puis nous parlons de mobilisation et manifestation en Haïti contre le premier ministre Henry. D'ailleurs, pour demander de démissionner, nous rappelons que le premier ministre, c'est responsable CGLAC, que CGLAC qui fait une compétition qui a fini jeudi à même. Donc, sous barrière de pouvoir signer, ou bien jeudi à pour signer, nous avons une signature pour demander pour le premier ministre Henry d'aller. Il dit deux ans après que il a abdigé le gouvernement, pas gagné qui résoudre, il n'a pas résolu maintenant pour la sécurité d'une pirette, pas gagné travail, on a plein de gangos, etc. Donc il m'a dit pour l'aller. Donc je dis à manifestation en fait devant primature, devant résidence privée premier ministre. Donc il y a deux groupes manifestants, il y a un groupe manifestant qui est en faveur lui, et il y a un autre groupe manifestant tout, qui compte lui et le monde s'est demandé pour l'aller. Donc c'est gros groupe actuellement dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince, côté a demandé. Parallèlement, demain, ici de Washington, il y a une autre manifestation tout. C'est plusieurs organisations aux États-Unis et certainement au Canada et l'autre côté qui a venu à Washington pour aller devant la Maison Blanche pour aller manifester eux-mêmes tout. Et il y a une dernière bataille.
en dernière bataille, mais c'est certainement vraiment de l'administration américaine pour lui font petit camper sur Haïti, quitter Haïti vivre, etc. Parce que je dis, si ils n'ont pas sorti aux États-Unis, peut-être pour l'insécurité à parler en Haïti, il n'y a pas d'abgain. Donc, l'organisation, il a passé pratiquement fait toute journée. Et alors, il fait plusieurs segments de manifestation. Il a commencé la manifestation pendant deux heures de temps. Ensuite, il y a pris un repos. Après, ça a recommencé encore. On a fait discours, etc. Ensuite, il a fait l'autre discours encore. Et puis, dans l'après-midi net, il a fait manifestation. Donc, son manifestation encore pour attirer la Maison Blanche pour faire connaître que pour faire camper, Haïti a une chance. Il a même eu les dernières batailles pour retirer Haïti dans la situation que l'IA je ne veux dire. En parlant de ça, le premier ministre Henri qui sorti en Europe, en Belgique, en Bruxelles. En Belgique, côté sommet et pays et latino-américain, Caraïbes, qui a déroulé ensemble avec l'Union Europe là. Donc c'est là. Et mais sommet ça à côté que l'Union Europe là pour investir plusieurs dizaines de millions de dollars. Et pour créer du travail, pour un certain investissement dans les Caraïbes avec l'Amérique latine. Non? Et là-dedans, j'ai profité pour annoncer un lot, un 10 millions de dollars tout pour Haïti faire face à avancer le problème de crise humanitaire qu'elle a fait face. Et puis, le ministre lui-même dit que le support que je viens pendant la rencontre, ça, c'est que lui-même parlait que il n'a pas pris trop de temps pour avoir une force multinationale qui accompagne la police nationale là, dans la lutte contre banditisme et contre monde négamé qui a semé la terre dans la capitale. Donc, le premier ministre exprime satisfaction li, et il dit que tendance pour aller, c'est que c'est support que joigne plutôt que pays qui élèvent les potes collés, etc. Les Nations Unies, beaucoup de parle tout. L'Igintérieur parle la fait tout. Il dit que ce n'est pas une force qui non-onusienne, ce n'est pas une force Nations Unies, mais c'est une force multinationale, que seulement tout ça a besoin de ces pays qui voulaient prendre tête et mission ça, et qui était certainement pour que définir le mandat, parce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il a pour les publier, pour le bail, il y a un mois pour le bail, qui j'en voulais la mission ça a fait, qui j'en voulais le faire pour le bail, calendrier ou bien encore agenda, qui j'en voulais, etc. Voilà. Et puis, il y a une commission République dominicaine que République dominicaine a mise sous pied concernant le dossier Haïti. On a rencontré avec quelques responsables américains, surtout parlementaires américains, côté ont expliqué la situation du pays d'Haïti, le risque que ça a représenté pour eux-mêmes en tant que voisins et qui ça a été quoi qui a fait comme solution. Mais tout le même tout, et République dominicaine n'est pas un pays qui a encouragé le déploiement d'une force multinationale pour aller aider à résoudre la crise dans le pays d'Haïti. Nous va gagner dossier ça et puis gagner dossier et on consomme qui vous déroule en Afrique du Sud et on sait des pays parmi eux là aussi ses membres et bien et nous rappelons qu'il y a un mandat qui est lancé contre le président Roussa et pour arrêter lui contre pour crime de guerre. Eh bien, bon, finalement, il était prévu à être appris, monsieur, pendant pour aller dans la rencontre ça qu'a fait dans l'Afrique du Sud là. Bon, l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud, lui-même, pour lui-même, c'est après un embarras. S'il y avait et arrête de passer, dépousser même tribunal international là, les mettre mandat derrière le monde, depuis le Vinakao, de arrêter. Donc, il dit, je suppose que vous avez gagné là aussi, sur une période d'apartheid là. Par qui je ne vais pas faire un comme ça, donc c'était bon. En tout cas, le président Vladimir Poutine dit pas parler. Monsieur dit pas parler encore, et donc Kounia et la bonne représentante, mais elle va parler encore. Donc ça veut dire que là où, et en fait, l'Afrique du Sud, on souffle avec les décisions ça, que la Russie prend, que le président Vladimir Poutine prend, que pour ne pas venir participer dans le sommet. Et les BRICS. Et puis, qui ça gagne encore là? Donc, nous avons une manifestation contre le président. Et puis, ancien président Donald Trump, toujours dans le collimateur de la justice américaine, pour faire ce qui est passé le 21 janvier 2021, sous
parce qu'il y a tellement de protés qui ont enquêté sur lui. Sur lui, pour dire pour le TV déjouer pour faire l'élection, il est dans la faveur, il a demandé pour gâter, pour faire magouille, pour dire c'est lui qui a emporté l'élection, etc. Donc actuellement, il y a une commission d'enquête qui veut informer que j'ai nous sous. C'est-à-dire que M. Kou, il mettait mes salades dehors, comme si que. Et il faut croire que lui-même n'a pas enquêté. Il y a plusieurs États qui ont enquêté, par exemple, il y a Michigan, il y a New York qui déjà font un bon parti dans l'enquête, ça a mené sous. Ça a passé exactement le 21 janvier, attaque. Les gens qui étaient présentés comme supporter président Donald Trump et qui étaient attaqués au Congrès, eh bien, il y a près de plus d'une dizaine de monde que Michigan est censé. Et c'est le cas de dire, pas interpellé, mais accusé. Mon qui est accusé, et c'est mon qui est inculpé même pour participation dans déjouer l'élection, ben déjouer le résultat de l'élection en faveur de Donald Trump, alors que le démocrate Joe Biden, c'est lui-même qui a remporté l'élection. Donc, il a fait tout le ça. Voilà. Donc, le dossier, ça a gagné l'État Georgie, tout, qui a un dossier l'ouvri. Donc, son dossier n'a pas pour nous connaître qui s'est passé, mais au moins, le président Donald Trump, dernier enquête, il a informé que il a venu sous lit et qu'il a préparé pour venir pour une question, etc. Donc, le système justice américain, c'est un système qui est très compliqué, qui est très difficile pour nous comprendre. Et tant qu'on va entrer dans le système, c'est tant qu'on va garder les complications que le gagne. Pas de monde qui est exempt. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ici, tout le monde est chef. Tout le monde est chef. Quel que soit hier, le président des États-Unis, le pays qui est puissant sur le plan militaire, sur la planète là, voilà que sur le plan local, le président n'est pas exempt, légal dans la prison. Il n'est pas exempt. C'est un système vraiment difficile. Donc, si nous avons besoin de faire recherche pour nous connaître, et puis nous regardons moins, et manifestations, et puis qui ça. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale en Haïti, M. Salut Jeffort, et examen 9e année a fini, il dit salut et merci tout le monde. Et bien content que Jean-Baptiste ait passé, malgré cette année scolaire difficile. Et bien, M. Nismi Maniga, et salut Jeffort, merci tout le monde qui dépote contribution par eux. Et surtout, l'école TV inscrit en ligne. Et les vieux pour être capables de l'examen. On n'y a pas de l'autre examen encore qui a venu dans le jour qui a venu là. Et puis, il me dit, demain, c'est un rendez-vous devant la Maison Blanche. Côté organisation, plusieurs organisations haïtiennes mettent ensemble. Et puis, il a venu crier là, relayer en moi là, dans la tête d'administration pour le bail, une chance pour permettre que le pays a fait une autre direction vers la paix. Et, mais il dit, comme c'est Washington, je suppose, il dit Washington, il a supporté le gouvernement en place là. Donc il a venu là, il a manifesté. Et cela fait tout le journée, il y a un pile orateur qui a venu prendre la parole, il a gagné l'isme. Mais je suis sur place et très certainement, je vais apporter quelques informations sur ce dossier-ci là. Et puis, le dossier, je dis, et puis, je dis, c'est contrairement à l'autre jour, je dis, je vais présenter nous, journal radio sur télévision. Et Jacques était un gens fatigué, je dis à monsieur font pour repos la Cali. Donc demain monsieur a venir en placement plutôt et moi même après dans l'arrière on va manifester, on va pas poster protester non, on va couvrir manifestation. C'est différent. Et bien voilà, et nous étions sur football et puis football a déroulé, vous avez pas rendez-vous pas si je dormi parce que tout match a fait grand matin. Donc lever bonnet sous gain courant pour regarder match ça, sous pas courant. Je dis, elle n'a pas fait chaud, j'en ai fait hier là. Et la température a déjà baissé, mais ce n'est pas pour longtemps. Hein? Eh bien, et puis sous la frontière Mexique là, et bah, il n'a pas fini de toujours. Il n'a pas fini de toujours pour les immigrants qui continuent à prendre rendez-vous parce que la frontière a toujours l'ouvri pour rendez-vous. Sous rendez-vous, le grand a toujours venu demander asile. Et puis, autour des Mexicains, dans la zone Veracruz, ils mettaient maintenant un conteneur qui était près de 200 personnes qui ont voyagé là-dedans, dans la direction frontière, Donc, ils ont fait ça redescendre, et là-dedans, il y a 6 personnes là-dedans. Donc, nous comprenons. Quand il y a les États-Unis établi deux ports, plus ou moins, pour Pupiti, dans Colombie et Guatemala,
pour les immigrants qui ont sorti de l'autre côté, qui vont venir aux États-Unis, pour fonds ramper là, remplir les papiers, demander asile avant de venir. Demander pas venir sur la frontière, son pas demander asile dans le côté passé. Si le côté passé est refusé, ou qu'à continuer à demander asile. Mais de vous passer son côté, demander protection d'abord, pas venir comme ça. Mais en attendant, les gens qui sont au Mexique, ils ne sont pas comptés dans le groupe ça. Donc, les gens qui sont au Mexique sont capables toujours prendre rendez-vous et venir dans rendez-vous et demander asile. Il y a des gens qui ont posé des questions, ils ont rendez-vous dans le tribunal. Tout ça que je dis, nous, chercher un avocat qui est dans le domaine et qui est même capable de nous conseiller pour nous faire. Parce que il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas prendre un avocat. Okay. Il y a une organisation de charité qui est là qui a aidé les immigrants. Donc, c'est sûr que l'autre entrée dans la frontière a été bon au papier, qui est une liste de côté. Si côté de Dieu a habité, ou pour aller à l'autre côté, donc on y a besoin de l'autre liste. Mais si vous rendez-vous côté tout, pas oublier, rendez-vous côté de rien là, allez dans rendez-vous, pas perdre rendez-vous. Pas perdre rendez-vous, et là, soit aller ou pas perdre, en plus, il est capable de changer, capable de bon pour. Donc, pas perdre rendez-vous. Allez dans rendez-vous quand même. Sous pas avocat, l'on va dire juge là, ou pas avocat, ou besoin avocat, elle s'agit là, elle même va prendre une décision finale. Ok? En attendant, pour quand Biden dans la marché, Haïtien continue à rentrer aux États-Unis, il y a peu de monde qui a refusé, qui a refoulé, mais les immigrants continuent à venir. Ok? Bon après-midi tout le monde, dans l'hôpital, dans le programme radio sur télévision, quand nous parlons en pile de situation, surtout de Coupe du Monde. Avec un voyage spécial New York et puis de manifestation donc a fait contre le premier ministre Ariel Henry jeudi a fait exactement jour pour jour 2 ans depuis la du pays. Donc monde qui détracte lui il dit qu'il va régler rien pendant 2 ans ça et l'autre monde qui pas cap supporter lui monde dit non et pas fait il fait il capable faire mais il fait quand même. Mais le premier ministre actuellement c'est le ministre de fait c'est lui qui va c'est lui qui aller tout côté qui va c'est lui qu'on est. Mais ils promettent les élections et ils promettent que les jeunes la plus de support, la communauté internationale pour aider le combat de sécurité pour que soient capables d'organiser les élections. Bon après-midi tout le monde.